bonjour à tous, ici Sniper qui vous présente les courses choisies en Mondi, épisode numéro 12. Alors, j'ai décidé de vous montrer dans un premier temps une petite course sur le GBA 3, tout simplement parce que vous allez voir qu'il y a deux joueurs en carte là qu'on voit devant là qui sont des cheaters. Je m'en suis aperçu bien après sur des courses, et en plus vous allez voir sur cette course j'ai quand même pas trop de réussite, vous voyez, je viens de me prendre un premier zap que j'ai réussi à refiler. À ce joueur, la Baby Steve, et à peine je reprends un item, j'ai failli même lui refiler une deuxième fois, un deuxième zap. Donc voilà, bah, alors ça commence pas très très bien cette map. Ça faisait plusieurs courses que j'avais fait avec ces joueurs, et c'est vraiment sur cette course-là que j'ai commencé à avoir des doutes sur un des joueurs, surtout celui qui est en Mario qu'on voit qui est en tête. Et en fait, il s'avère que c'était bien un cheater. Vous allez voir sur vous verrez sur la course non, vous le verrez pas, pardon. Je l'ai pas mise dans cette vidéo. Donc là, un petit manque de concentration, on va dire. Ouais, en fait, sur le quartier Delfino, je m'en suis vraiment aperçu puisque le joueur, tout à la fin, alors que j'étais deuxième, me fait le raccourci dans la petite ruelle, alors qu'il avait trois rouges autour de lui, et il avait un zap aussi qui a duré jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment très étrange. En tout cas, c'était pas possible. Voilà, et ben là je réussis à faire le cut, et je me fais tout de suite target à la rouge. Le joueur se débarrasse un peu de ses rouges en backspam. Je pense qu'il aurait dû les garder. Ça m'aurait plus gêné s'il les avait devant lui. Je grille mes champis parce que de toute façon, je veux pas finir non plus dans les oubliettes. Et puis, vu qu'on n'est pas nombreux, il peut que j'ai encore un champi pour couper. Ben voilà, ben malheureusement pour moi, pas de champi. J'ai encore une petite chance de rattraper les deux premiers en faisant le cut sans champi, c'est ce que je vais faire. Voilà, regardez, je réussis à le faire, je vous le remontre une deuxième fois. Alors j'étais pas placé comme je me place habituellement pour le faire, et puis j'ai quand même réussi à le faire comme ça. C'était marrant, c'est pour ça que j'ai voulu le remontrer. Ah, vous voyez, les deux joueurs sont devant là, les deux premiers. Alors j'en double un, j'arrive à me retrouver en deuxième position, et puis regardez, il me redouble aussi sec, puis d'un seul coup, pop, ces rouges qui apparaissent. C'est vraiment mais du n'importe quoi. Et puis regardez la vitesse où il avance. Enfin, en tout cas, j'ai eu la confirmation après de ce que je pensais. Et encore une fois, regardez, en plus, il avait 9500 points, mais c'était pas des 9500 points véritables. Alors sur celle-là, j'étais avec des joueurs débutants, à part cette joueuse devant qui avait un peu de points, là, XDJ, avec qui j'ai fait une bonne partie de la session. Vous verrez aussi après des courses avec Nexo, Nexcore et puis CS Jordi. En fait, et cette joueuse était toujours présente. Je monte surtout cette course parce que vous allez voir que je vais me prendre en fait 3 bleus dans cette course et je vais quand même réussir à gagner. Alors le pot, ça c'était pour me désarmer, vous avez vu. Et puis hop, la bleue qui suit direct. Donc cette fameuse joueuse là arrive à passer en tête, et puis au run je vais arriver à repasser devant. Voilà, tout simplement en me mettant en wheeling, ça me permet de reprendre de la vitesse. Voilà, c'est un petit peu scabreux ce que je fais, c'est pas nickel. Mais bon, en attendant, c'est pas trop grave, je suis encore là, je suis encore en tête. Là, je montre au ralenti parce que regardez, moi j'arrive à passer vraiment au bord et. Et l'autre joueuse qui a voulu me doubler, elle s'est fait avoir par le wagonnet. Alors j'ai de l'avance là, j'ai tout de suite fait le trou, et puis une deuxième petite bleue qui arrive. C'est encore pas méchant parce que vous voyez bien que je suis toujours en tête malgré tout.
Alors, ce rouge là, ben voilà, c'est assez facile de les éviter ici avec les chauves-souris souvent. Et voilà une troisième petite bleue. J'arrive malgré tout à rester encore en tête. Pas de rouge en vue, ça c'est bien, tant mieux. Maintenant, ne pas faire de bêtises, ne pas tomber dans le cut. Si je vois que c'est juste, je le fais pas. Allez, c'est bon, ça passe. Si je me prends pas une quatrième bleue, je devrais gagner cette course. Oh, regardez, pop, c'était marrant, j'ai gagné en me fracassant la tête dans le poteau. Vous voyez, les niveaux sont pas énormes. Alors là, je vous la montre en accéléré parce que il n'y avait pas de grands intérêts à part la fin de cette course et puis le fait que je me suis pris aussi deux bleus encore de celle-là. C'était la course qui suivait pratiquement. Alors là, je pose pas volontairement d'item à cet endroit là-bas parce que je sais que les joueurs, eux, ne passeront pas là. Il n'y a que moi qui vais passer, donc en fait, je m'embêterai plus moi qu'eux. Donc c'est pour ça que je les pose plus à des endroits stratégiques pour les avoir eux que moi. Ah, petite faute là. Malgré que ce soit en accéléré, on arrive quand même un peu à voir ce qui se passe. Donc c'est sympa. Allez, une première petite bleue. Alors ça arrive quand même assez vite derrière. Il y a un joueur qui me suit de près. J'arrive tout de suite, voilà, j'ai touché avec mes bananes, ce qui fait que j'arrive à reprendre un petit peu de terrain. Et puis quand même, je trouve qu'ils vont un petit peu vite derrière moi. Je pense c'est quand même un peu bizarre. Allez, la deuxième bleue. En plus, ma banane qui me gêne, là, j'ai bien failli me faire avoir. Puis comme elle fait exprès, ben voilà, tac, qu'est-ce que j'ai? Un fake. Alors ça permet à deux joueurs de me passer devant. Et là je montre en mode normal là parce que vous allez voir, cette fin elle est quand même assez sympa. Alors là déjà j'arrive à toucher le premier joueur avec une verte. Et puis là regardez, j'essaie de le toucher là, je touche pas, mais regardez ce snipe là. Juste sur la ligne. Ah je pense qu'il a dû rager sur le moment. Parce que je le touche vraiment, mais juste devant la ligne. Alors là, j'ai dit, il faudrait que je le monte, ça c'est trop rigolo. D'ailleurs, regardez, vous allez voir, il a perdu des places, parce que du coup, bah, il finit troisième ce joueur. Bon, c'était un invité, c'est pas trop grave, mais bon, c'était marrant quand même. Alors là aussi, du bon spectacle, puisque vous allez voir, là, c'est là que je vous disais, il y a Onexcore et Jordi. Ça jouait bien. On a fait beaucoup de. Se retrouvait assez souvent détaché les trois joueurs. Mais enfin, un poil plus quand même. Nexcore qui run vraiment très très bien. Et bah vous allez voir cette course un peu plus en détail. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Et puis dans une de mes prochaines vidéos, je vous montrerai des courses avec ces joueurs aussi, des joueurs d'un très bon niveau. C'était un peu difficile à jouer. Alors le pauvre, voilà, il s'est fait avoir avec le choc. Il est tombé dans la lave, ce qui me permet de passer en tête. Vous allez voir quand même qu'il est pas loin derrière, parce que je vous dis, ça run quand même bien. Alors j'essaye surtout, alors la petite erreur, je rebondis, je perds pas mal de temps. J'essaie de poser quand même malgré tout des pièges, je cherche pas à les garder forcément pour me protéger, je préfère plus les retarder. Que de toute façon, sur ce genre de map, il y a souvent beaucoup de bleus ou de choses comme ça, donc je préfère essayer d'avoir de l'avance. Ah voilà, et... Bah, cette petite bleue là qui vient qui me tue, voilà, ça permet un escort qui était pas loin de me passer devant. Et bah, ça bougera pas de ces places là, je vais rester derrière. Il est déjà loin, il a pris déjà pas mal d'avance. Il a quand même un bon run, donc ça va être dur pour moi de refaire mon retard s'il se prend rien. On a fait pas mal de courses comme ça en chassé-croisé tous les deux. C'était sympa. Vous avez vu tout ce qu'il y avait qui traînait là. Heureusement, je suis passé par l'intérieur.
Pardon. Allez, je pense pas que cette rouge touche. Il est pas très très loin, mais voilà. Je vous dis, cette bleue, elle a été assassine pour moi. Je pensais qu'il allait s'en prendre une petite à l'arrivée. Et puis là, regardez, c'était encore joué de manière vraiment stratégique par les joueurs. Il a vraiment vraiment failli se faire target une deuxième fois sur à cet endroit que je viens de passer là. Et heureusement pour lui, c'était apparemment c'est passé juste. Ben GG à lui, il a réussi quand même à gagner. Et je finis deuxième. Voilà, Jordi nous suit de près. Alors cette course là était très intéressante, je la montre. Parce que bah déjà c'est une map que j'aime bien, RuneSecSec, et puis c'était quand même relativement chaud et il s'est passé des trucs assez rigolos. Alors ce doré me permet de prendre vite la tête. Derrière ça revient quand même relativement vite. Alors là je fais attention, voilà. Là une petite erreur encore, je me prends le sable. J'aime bien poser le fake à cet endroit, c'est un peu stratégique. Et comme comme dans la course précédente, le joueur qui me suit, c'est Nexcore. Je vous dis, on a fait souvent des courses où on se retrouvait tous les deux devant. Et puis là, vous allez voir ce qu'il va faire, un magnifique snipe de sa part. Regardez, je montre au ralenti parce que la verte, elle me passe à côté et au moment où elle redescend, elle me touche. Ça lui permet de passer, de prendre la tête. Et puis vraiment il a pas de chance parce que regardez, au moment où il prend la tête, il se prend une bleue. Du coup, ça me permet de reprendre à nouveau la première position. Et puis regardez à nouveau encore. Voilà. Cette fois c'est moi qui me prends la bleue et repasse devant. C'était rigolo, un coup lui, un coup moi devant. Et puis pour une fois, d'habitude c'est toujours moi qui me prends des tonnes de bleus. Là vous allez voir que c'est lui qui va s'en prendre encore une autre. Juste à la fin. Juste ici au moment où ils envoient le pot en plus. Tac, il se prend encore une dernière bleue. Donc moi ça me permet vraiment de creuser le trou cette fois. Et puis vu que c'est le dernier tour en plus, je vais arriver... à gagner cette course. Et je sais pas s'il y a eu des décos ou ce qui s'est passé après pour mes scores par la suite, parce que vous allez voir qu'il perd beaucoup de points, mais j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de joueurs de déconnectés vers la fin de cette map. Parce que regardez, il finit 8ème, ça me paraissait étrange, et après la course d'après il n'était plus présent. Alors le petit trou d'arc-en-ciel là aussi, c'était des courses intéressantes encore, je vous dis, pas mal de ça bougeait beaucoup, donc c'était marrant. C'est le même style de course, à part que là j'ai changé de permis je crois, et donc hop là c'était juste et voilà, je me prends ces deux bananes. C'est bien joué de sa part. On est en 100 cc. J'arrive à faire quand même le cut avec le champi. J'ai décidé de jouer avec Bowser Squelette cette fois, un petit peu pour changer, parce que j'en avais un peu marre. Nexcore était un peu trop souvent devant en premier. Et là, je pense qu'il a dû se planter ou taper dans la barrière, ou je sais pas, mais en tout cas, ça me permet moi de passer en tête. Alors, il faut essayer de pas faire de faute. J'ai touché avec mon fake. Ça me permet tout de suite de prendre de créer de la distance. Je vais essayer surtout de faire attention à pas tomber. Et je surveille de temps en temps un petit peu mes arrières. Donc là il n'y a plus de bananes, hein. Je me suis pris les deux premières fois. Alors maintenant c'est moi qui les pose en espérant faire mouche. Apparemment, pour l'instant, ça n'a pas l'air de toucher. Puis là, regardez, j'ai vraiment pas de chance parce que à vraiment un dixième de seconde, je me serais retrouvé.
trouver à l'intérieur du canon et j'aurais pas été touché par le choc. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Mais en même temps ça m'a pas trop ralenti parce que du coup j'ai pris beaucoup de vitesse dans malgré tout, malgré que j'étais petit. Alors là aussi, regardez, je vais garder volontairement ce fake pour le poser à un endroit que... Bah c'est pas tout le monde qui y pense, mais c'est un endroit qui est quand même beaucoup plus mortel. Regardez, juste là. Tac. Et vous allez voir que ça va payer. Alors je me prends cette bleue, mais si vous regardez bien la minimap, vous voyez, hop, il a été touché le joueur qui me suivait. Je pense que c'est next score par ce fake. Et puis là, ben vraiment, vraiment, pas de bol, parce que regardez, je me reprends une deuxième bleue alors que je viens de m'en prendre une. Ça permet à un joueur, là, Hades, de me doubler. Vraiment, vraiment, j'étais un petit peu mécontent. En plus, regardez la chance qu'il a, puisque il est rentré dans le canon quand il y a eu le choc. Donc vraiment... pas terrible. D'après ce que j'ai pu entendre et tout, j'ai entendu parler de ce joueur, Hades. J'ai entendu parler de cheat, je sais pas. Moi j'ai rien vu de spécial, mais bon. En même temps, ce serait... Tout est possible, vous savez qu'il y en a beaucoup qui le font de manière assez délicate. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.